plutôt parler de gymnastique du visage, hein, je crois. Exactement. Ouais. Là, j'ai trouvé vraiment une nouvelle technique. Ce n'est pas nouveau parce qu'au Japon, ça existe depuis des millénaires. C'est vraiment la gymnastique faciale. Et ça, c'est un alternatif finalement entre les personnes qui veulent tenter un lifting ou les injections. Et moi, je ne suis pas pour... ni l'un ni l'autre. Non, tout ce qu'on vous met dans le visage, voilà, tout ce qui est manuel. Et ça marche. C'est vraiment... Ça vient des quatre coins du monde, aussi bien aux États-Unis, en Russie, au Japon et aujourd'hui en France. Et petit secret de femme, vous avez énormément de comédiennes aujourd'hui qui ont découvert ces techniques. Ça s'appelle, si on utilise la technique japonaise, ça s'appelle le Kobido. Et c'est vrai que ces actrices, elles se refilent le nom de leur masseuse ou de leur facialiste, comme on dit. Tant que ce sont des contacts. Pour ces massages, parce que justement, ça repulpe. Et c'est ce qu'on veut. Parce que vous, avec l'âge, c'est comme la gravité. Ça tombe et nous, il faut remonter. Oui, tout va vers la terre. Comme Dale Eden. Avec le temps, tout s'en va. Elle dit, il faut faire up, up, up. Donc moi, je vous propose de regarder et surtout de suivre les conseils de Delphine Langlois, qui est facialiste et qui a mis vraiment cette technique au point. Donc on peut le faire dans sa salle de bain. Regardez.